Sylvie, Paul Élu. Charles, responsable des produits dérivés. Cécile, adjointe pour la mobilisation nationale. Bastien, cellule Twitter. Irénée, relations presse. Pierre-Olivier, Paul Achat. Lorraine, Paul Roche. Maïlis, responsable tractage. Ma mission dans le mouvement, c'est d'être le directeur des opérations, c'est-à-dire que je m'occupe de l'organisation des manifestations, des rassemblements et des meetings au niveau national de l'association. Ça m'apporte une expérience assez fournie puisque je travaille toute la journée avec les services de police, nos prestataires et nos équipes en interne, et sur le plan humain, c'est une expérience qui est vraiment formidable. La réunion et le rassemblement de gens qui sont complètement différents mais à la fois complètement complémentaires. On ne lâche rien et enfin, comme nous serons le 26 mai, je voulais souhaiter bonne fête maman. Alors moi je suis responsable des ressources humaines de la Manif pour tous et plus spécifiquement du recrutement. J'ai commencé par tracter, j'ai fait quelques opérations. Travailler avec des gens qui partagent nos convictions, j'ai jamais vécu ça. Et ça, c'est vrai que c'est une expérience inouïe. Venez et vous découvrirez ce que c'est que cette ambiance LMPT absolument unique, totalement inédite. Totalement inédit. J'ai découvert la Manif pour tous un petit peu plus tard que d'autres. Si on n'est pas capable de donner, on est incapable de recevoir. On pouvait aider la Manif pour tous, qui est une cause qu'il ne faut absolument pas laisser tomber. Première chose, des rencontres. Deuxième chose, un professionnalisme des gens. Troisième chose, des activités absolument invraisemblables. C'est absolument étonnant ce qu'on peut être amené à faire à la Manif pour tous. Une immense amitié. On ne s'arrêtera que quand cette loi aura disparu. Camille, coordination d'épaule. Loïs, chef d'état-major. Guillaume, responsable d'accréditation. Béatrice, chargée de programmation. Cédric, pôle juridique. Amaury, responsable Paris. Théophile, vrai responsable Paris.